Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chita Tande Nouvel sa qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Route dans la zone Delma, Nazon, Crissois, Lalu, Kafou, elle était bloquée pendant un bon bout de temps, pendant la journée aujourd'hui. Mais côté, dans la zone Delma, dans Lalu, avec dans Kafou, c'est employé Lona, eux-mêmes, dans Delma 19. Qui était campé, levé campé, bloqué route pour exiger libération et collègues travailleurs Emmanuel Termezi, bandit de kidnappé avant hier. Dans Crissois, ben, c'est habitants dans la zone Crissois et Nazon eux-mêmes qui étaient levé campé pendant la journée, pendant l'après-midi, pour exiger libération. Et ben, yon petit Crissois, bandit kidnappé dans la zone Balalu hier soir. Bandi sa yo tout yo même yo exige yon million de dollars américains pour capable libérer citoyen si la. Donc faut que nous disons la police est intervenue arrêter yon citoyen qui lui-même tape bloquer route pour exiger libération citoyen ça nan kriswa bandi yo même yo kidnappé. Faut que nous disons c'est journée et vendredi a et bien enterrement sociologue homme politique, professeur dans l'université, Anthony Babier a chanté dans la ville Nathalie, dans l'asile. Donc, journée jeudi, il a été organisé une grosse cérémonie hommage pour lui dans le jardin Kiskeya, en hommage, comme dernier hommage, à un homme politique, professeur Anthony Babier. SPNH 17, dans voie coordonnateur, inspecteur Jean Elder lundi, li dénoncé, eh bien, une vague corruption, li dit qui blahi en dans institution police nationale d'Haïti pendant dernier jour sa yo. Donc, inspecteur Jean Elder lundi profite voye yon pinga by policier yo, mais pour yon pas exécuter l'ordre illégal dans occasion manifestation qu'a gagné pour fête là yo, puisque d'après ça le dit la justice là pas prête comme ça et tout policier qui fait mauvais action qui fait crime et sous population y a gagné pour répondre question la justice. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, comme d'habitude, n'a invité au continuer brancher, continuer abonner à canal information sans fausse côté à de manière à ce que nous sommes capables de continuer à porter bon genre d'informations frais, clair, coup de l'eau pour ou même qui abonné déjà, nous remercier ou quel que soit côté où il y a dans le monde là, ou même qui poko abonné, nous invitons à faire ça de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, la privée joue nous de façon automatique, comme ça, on ne perd rien dans la question d'informations qui brassé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, Jean nous annoncé au lit, eh bien, et gagné employé l'ONA eux-mêmes, dans Delma 17, dans Carrefour, avec dans Lalu, il était sous point Zenyo, journée jodia, mais côté, il était bloqué route dans la zone et Delma, Badelma, pour exiger, avec dans Lalu, à Carrefour, pour exiger libération collègue Emmanuel Termezi, bandit à gros âme, moun pas arrivé identifié, mais te kidnappé dans Delma 19 avant hier soir. Côté, bandit yo exige 1 million de dollars américains pour capable libérer otage là. Donc, c'est tout bio onayo qui était paralysé avec tout et toute circulation et dans la zone Sayo, nous sommes cité là. Population dans zone Crissois ak nan Nazon tout te sous bois zen yo côté te boulé caoutchouc et puis bloqué route dans toute zone ça pour être capable réclamer libération mais yon citoyen et nan Crissois mais kidnappé yo même yo enlevé bien bonnet et matin dans zone Balali. Donc au lieu la police li même poté collé poté secou bay population nan Crissoa pour aider yo joine et puis libérer victime nan, et ben Boyd avec Simo et ben té intervenu pendant après-midi à côté yo envahi zone nan à coup de gaz lacrymogène et même voyez bonbon gaz lacrymogène en dans la commune qui gen ti moun et ben qui était dans des situations extrêmement difficiles dans courant après-midi. Donc alors que bandi yo même d'après sa population fait connait y a taille banda dans village Jean yo vle lè yo vle donc pas gagné la police pour yo. Donc malgré arrestation yon nan citoyen sa yo qui te gagné
yon bouteille gaz nan men pou lte proteste, pendant lte ap met di fe nan kaoutchou ak alimet, eh ben, msye li men li te nan men la polis, eh ben, lte kontinye ap di, eh ben, fok prezident Jovenel Moïse ale, puisque d'apre li, se prezident Jovenel Moïse ki la koz, eh ben, vague kidnapping sa nan peyi d'Haïti. Donc nou invite yo koute plusieurs nan citoyen yo, parmi yo citoyen sa ki t'ap exige depa chef l'état président Jovenel Moïse. On dit que c'est tout le monde qui kidnappé. M'a demandé libération pour tout le monde. Vous comprenez? Là, libérer gaz dans la lunette. Arrêtez pacifiquement. Vous comprenez? Vous connaissez tout le monde qui kidnappé là? C'est le can ba manger bon ba pierre ca pour moi on n'a pas demandé libération écoutez vous êtes responsable de ça bon Commissaire, Et m'a toujours continué à mobiliser pour Jovenel aller jusqu'à ce février, même dans la prison, même dans le retourné, ça va continuer et nous va faire bac avec kidnappé Jovenel Moïse, Léon Sal Moïse, Barbecue Moïse, Bougoy Moïse, Tilapi Moïse, n'a pas déciré tout le gang de pays, tout kidnappé, tout volé. Nous disons nous voulons vivre, tout va se couler. A bas kidnappé Jovenel Moïse, à bas kidnappé. Ouais, les peuples revendiquent. Si nous avons été dans les entrailles, nous avons sorti. Il y a malheureux tout. Vous comprenez ça, M'Zoula? La loi, dit comme ça. La police ne peut pas exécuter l'ordre. Les commandes sont illégales. Il y a comme ça. La responsabilité personnelle, monsieur. Nous comme ça bien. Si nous arrivons dans les ordres, nous ne pouvons pas avoir un caille à bouler. Nous ne pouvons pas avoir un couteau, nous ne pouvons pas avoir un. Nous avons demandé ça. Son moun yo, yo qui t'en fait pour 1 million de dollars, là dans la zone. Peuple a revendiqué. Il y a 6 bébés dans la zone, il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous faire gaz comme ça, monsieur. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous faire gaz comme ça, il n'est pas bon. Monsieur, comment nous est-ce? Il n'est pas bon. C'est là, ma femme, quand je passe à moto à moi-même. Nous ne pouvons pas demander la police, mon cher. Non, ma femme, où est-ce que c'est de lui? Massiste! Elle est massiste, elle est massiste! Jean-Élie, monsieur René, il y a un soir qui t'appelle. Jean-Élie, sous la vie, il y a un qui t'appelle, monsieur. Toujours question insécurité dans Port-au-Prince, Jacques-Pierre Martilus, eh ben, ancien consul d'Haïti en République Dominicaine, tombé en babal bandit, qui t'a essayé kidnapper dans Delma 40B, côté M. Gagné Business List, et hier soir, eh bien, action si là, li passé. D'après témoins qui étaient sous place, c'est Neg Axam, gros âme nan men yo, moun pas arrivé identifié qui tape, qui commet crime si là, dans moment, il t'a essayé kidnapper Jacques-Pierre Martilus, lui-même qui t'a fait en pile résistance, donc li pas vle kidnapper yo te aller à li. Donc, c'est comme ça situation a passé dans la zone Delma 40B. Neg Axam, toujours question insécurité. Neg Axam, eh bien, personne pas arrivé identifié. L'ouvri coup de zam sous, disons, hier soir, sous machine ancien sénateur Nip Nenel Kassi, toujours dans la zone Delma 40BA. Eh bien, gagné yon proche ancien sénateur, lui-même qui sorti blessé dans l'attaque Sila. L'autre information, c'est journée vendredi, eh bien, enterrement et homme politique, sociologue, professeur université, Anthony Barbier, eh bien, lui-même l'a chanté dans l'asile et dans la ville natale. Donc, tu as gagné une grosse cérémonie
hommage yo te organisé dans jardin Kiskeya journée jeudi a pour être capable rendre hommage à défunt. Dans l'occasion si là, diverses personnalités dans le monde politique là, avec dans la société civile là, te défilé une après l'autre côté où t'as témoigné, eh ben, qui Jean citoyen ça, c'est un monde qui te respecté tout le monde, a parlé de Anthony Barbier, qui te gagne respect pour tout le monde, donc, quel que soit mon nom, même si ou pas dans même génération avec elle, même si ou pas de gagner même l'idée à lui. Donc, nous invitons à écouter témoignage, un petit bout dans la déclaration, directeur général Radio-Télévision Kiskeya, Marvel Dandin, dans le moment, Premier ministre Joseph Jout lui-même, il était entré dans la cérémonie, ça, il a salué pour directeur programmation Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, qui lui-même, Pedi Maril, Anthony Barbier. C'est ton nègre, plusieurs monde dit ça là déjà, et ce n'est pas menti, c'est vrai, qui était d'une grande élégance et dont une volonté de compromis, de collaboration sans pareil. Moi, je connais des gens qui mal comprennent, qui étaient mal interprétés, tendance ça, façon ça, manière ça. Mais à réaliser aujourd'hui, et comme je t'ai dit l'autre jour, en pensant aux images qu'on peut être capable de faire, Anthony t'a marché à un pont en Babral. C'est un pont, monsieur t'a marché avec elle pour permettre tout le monde de traverser pour y rencontrer l'autre. Ça compte par lieu en pile malentendu, en pile mésinterprétation, en pile appréhension. Mais finalement, nous, c'était ça. C'était bien ça. Son monde qui était quoi dans possibilité pour une autre, nous bailler le bras pour nous faire pays avancer. Donc, merci Anthony Barbier de ce que pendant toute carrière politique, vous préservez l'image sœur nous Liliane. Qui sait? Qui sait? Dans un pays ici, l'un est capable de vivre dans une série de positions. Qui sait? Qui est-ce qui connaît ça? Anthony Barbier, tu es capable, y est en plus que ça le dit. On ne sait jamais. Mais il était très modéré, très réservé et lui protéger autant que il était capable. Image sur nous, Liliane. Image radio nous. Et nous croyons que c'est ça. Par-delà les différences, par-delà les contradictions, il faut que nous jouions nos gens pour nous parler. Il faut que nous jouions nos gens pour, pas nécessairement dialoguer, non, mais décider ensemble qui ça, qui doit être fait. Mbapkin Bekon, non? Et n'a pas permettre Liliane recevoir salutation, la recevoir. Et puis, m'a permettre mettre de cérémonie. Con. Merci Marvel pour témoigner là. Et là, n'a prend une petite respiration, un petit oxygène avec Oli Saint-Louis. Organisation sociopolitique Vive Haïti, dans le cadre d'une conférence pour la presse, eh bien, jeudi a dit, eh bien, il condamné à toute force li, attaque avec agression verbale qui était faite journée hier sous ancien président Jocelyn Privert dans Radio-Télévision Kiskeya. Donc, porte-parole organisation, Ronny Timothée, eh bien, lui encourager moun qui t'a fait attaque si là, eh bien, pour yo chercher identité.
identifier vrai ennemi peuple haïtien dans quatre batailles à mener, mais pour capoter chef l'État et puis pour renverser vieux système si là. SPNH 17, dans le cadre d'une conférence pour la presse, jeudi, eh bien, li dénoncé dans la voix et coordonnateur général li, Jean-inspecteur Jean Elder lundi, eh bien, dénoncé vague corruption, li dit, kap taye banda dans l'institution la police là pendant dernier jour sa yo, côté, mais haut état-major, disons côté haut état-major, et PNH là lui-même, li, eh bien, convoqué policier yo pour yon mois, soti 15 janvier pour arriver 15 février 2021. En prévision avec gros manifestations qui capable gagner dans cadre mobilisation pour jeter pouvoir. Inspecteur Jean Elder lundi et bien profiter mandé policier yo pour mettre de l'eau dans divin yo pour pas exécuter l'ordre illégal pour pas bastonner population puisque d'après ça inspecteur Jean Elder lundi fait connait et bien la justice dans pays d'Haïti gagner pour reprendre escampe figile li pas prête comme ça et quel que soit policier qui causait mauvais actes en dans la police là et bien la justice a gagné pour le contrer à yo nous invite au côté inspecteur Jean Elder lundi qui s'est coordonnateur SPNH 17. Premièrement, des questions manger. Nous connaissons que yo convoqué policiers au sorti pour 15 janvier, rivé pour 15 février. Dans logique pour contrecarrer vague manifestation qui va le faire pour demander départ gouvernement. Non manger ça, yo te prévoir manger ça pour tout commissariat yo côté travail pour commissariat yo manger 3 fois par jour. Mais d'après enquête SPNH 17 mené, nous rivez joindre que gen commissariat qui joine 3 fois par jour effectivement, mais gen joine 2 fois par jour, gen joine 1 fois par jour, gen côté pas joine du tout. Gen deuxièmement, gen 4 débits la police là. 4 débits ça yo les tickets là. Côté nous, dans le cadre d'enquête, nous jouons que nous avons une duplication qui fait sous 4 débits. Côté que nous sommes capables d'émettre tous 4 sous nos PAM, le Dijan LDR, avec NIF moins, avec yon numéro, et puis sous même nom pas moins, sous même NIF pas moins, mais sous l'autre numéro, nous émettons l'autre 4 de débit qui n'a pas l'autre monde. Nous avons pour nous mettre plus de détails sur la question ça dans le jour qui vient. Gagner frais transfert. Depuis 1995, d'après règlement, la police, là, chaque fois qu'on transfère un policier, il a soumis le frais pour lui capable payer résidence, pour lui capable fonctionner côté transféré là. Faut que nous disions depuis 1995, il n'y a pas jamais bail policier au frais transfert ça. En pile, dans le commandement qui passe successivement, comme ça, je ne sais pas qui ça a fait avec elle, je ne sais pas comment le gérer. Même quoi que, enquête nous sera possible, dans le jour qui vient là, on a bien pour nous faire des détails sous genre de dossier ça. Nous avons adressé directement à les policiers qui vivent un moment difficile dans l'histoire de la police nationale là, qui semblait tête coupée à l'année 2004. Côté tout le monde connaît que dans l'année ça, qui est monde qui est directeur de police là. C'était monsieur Léon Charles et tout le monde connaît qui a ça dépassé tout. N'a profité moment ça pour exhorter policiers à la méfiance. Puis pas exécuter des ordres qui manifestement illégal. Parce que responsabilité à personnel. Léon policier fait un acte sous l'ordre du chef. Le moment jugement arrivé, ces policiers a brûlé, ces policiers qui prennent en prison pour Zach Kelkobet. Chef qui débarque l'autre, ça a bien allé, mais PNH l'a doué rété. C'est ça qui fait profiter de tout policier pour dans tout mouvement qui a mené, dans tout ce qui a fait. Puis on ne peut pas défendre nos personnalités, mais puis on défendre l'institution, puis on défendre la police nationale là, qui c'est au bien commun à tout policier. On a demandé des populations. Pour yo rete, pour yo garder prudence, pour yo faire un peu de prudence. Parce que moment ça, mon prudence pas suffit. Parce que un peu de monde yo kidnappé, soit en de la caillou, soit dans le business, soit pendant yo de quartier de la caillou,
dans tout ce que policiers et docteurs et employés civils, tout le monde pas épargné. Nous avons demandé aux journalistes de priorité veillatif. Pour les journalistes, dans les derniers jours, pour mettre, pour mémoriser, pour filmer les visages agresseurs. Pour ne pas oublier les gens qui étaient agressés dans le moment où ils ont fait le reportage là. Parce que je dis nous ça, frère, monsieur Mio. La justice est pour le blâmer dans la coupe d'Haïti. Et nous croyons que le pays n'a pas péri. Sous Bopal, ancien inspecteur Fritz Mani, qui lui-même c'est avocat SPNH 17, là, lui voyait, eh bien, sympathie, bah, la presse pour tout mauvais acte, eh bien, la presse là lui-même, il était sibi, nommait la police pendant dernier jour ça yo. Fritz Mani mandé la presse, même pour le capable, disons, pour le prendre courage, parce que, yo même tout, en tant que policier, membre SPNH 17, yo victime tout de la police qui s'est frais zamio, d'après ça, le fait qu'on est, les a fait manifestation. Donc, la presse, avec vrais policiers, yo, doit toujours capable coopérer dans le cadre de travail, yo. D'après ça, eh bien, inspecteur Fritz Mani, qui c'est avocat SPNH 17, fait qu'on est, nous invitons au côté. La démocratie, c'est un pigeonnier à deux ailes. La presse qui l'a pour l'informer, pour le former, pour le dénoncer, et puis la police qui l'a pour le mettre sans décabrer l'ordre. C'est-à-dire que la démocratie n'a pas marché, ni sans la presse, ni sans la police. Nous, chaque, c'est un zèle, nous sommes dans le pigeon. Et c'est ça que fait, nous toujours prononcer nous. L'œil agresser la presse. Nous toujours prononcer l'œil pour la population, il y a bal gaz sans nécessité, il y a pas de population ensemble avec journalistes. Et c'est pas seulement par le fait que la presse victime ou la presse pensait que lui-même li nan yon ti kanot et puis nous-mêmes nous en chaloupe, nous voulons faire la presse connaître que nous dans même bateau ensemble avec lui. D'ailleurs, il y a une preuve là, nous sortis, nous-mêmes, nous sortis, nous faisons manifestation par nous, comme des policiers. Nous reconnaissons comme des policiers, malgré ça, nous avons écrasé la manifestation par nous. Il n'est pas différent de ça, la presse a subi. Nous prenons le même coup de bâton avec la presse. Et nous, pendant qu'on écrase la manifestation par nous, qui t'a fait pacifiquement, la presse était là. Et nous, tout que, même presse a dit, que, là, nous prenons un paquet de manifestations que les bandits font, nous sommes sécurisés. C'est seulement qui doit faire manifestation. Nous-mêmes, comme policiers, policiers pareils. Et nous avons notre figure, nous avons parlé après encore, notre exemple, nous avons parlé. Pas oublier que là, nous avons dit, la population a dit, la prend béton ensemble avec la presse, le 17 octobre qui se passait là, pour les manifester ras-le-bol, nous-mêmes, nous te disons qu'on prend béton ensemble avec eux, avec la population. Si nous prenons gaz, si la population prend gaz, nous prenons gaz avec elle. Si la population prend balle, nous prenons balle avec elle. Pour nous démontrer que nous descendons jusqu'à terre pour nous accompagner ni la population ni la presse. Nous, c'est ça qui est passé. Nous tous prenons gaz. Moi-même, personnellement, nous sommes là sous béton. Le coordonnateur général là sous béton. Et nous sommes identifiés avec Mario Espérance. Nous sommes les policiers qui viennent carrément, ils battent nos gaz. Les policiers connaissent nous. Le bon mobile, nous racontons qui ça. Nous racontons qui mobile là. D'ailleurs, mais l'autre policier qui est avec moi, je viens d'achat, il était tiré, soi-disant, policier tiré sur lui à bout portant, il était pour balle. Non, non, manifestation ça. C'est-à-dire que la presse, nous croyons que faut une plus intelligence pour nous comprendre que nous-mêmes, il faut que nous fassions des démarcations, nous avons parlé, pour nous dire que la presse, c'est zaminoué. Et nous avons dit la presse, pas faire ça, pas prendre une diversion. Nous-mêmes, nous tendons la radio, côté que les journalistes qui disent qu'ils ne peuvent pas couvrir l'événement SPNH. Parce que c'est eux qui accompagnent SPNH. Oui, vous devez accompagner SPNH. Et oui, tout, le bagage est passé mal, SPNH dit nous, il faut que nous enregistrions tout pour nous dire que SPNH te dit nous que nous avons la même tribulation ensemble avec eux. Pas prendre nous comme des victimes, et puis pour SPNH, parce que pour nous, nous victimes même avec la presse. Même misère la presse a passé, c'est même misère. Et la presse, et ouais pour la presse pas fait, c'est pas oublier que
nous-mêmes, c'est plus bon allié la presse qui a gagné l'espionnage. Parce que tout allié que tu es capable de mettre dans tête, nous croyons que nous sommes plus proches avec eux, plus que alliés. Pas oublier que nous ne sommes pas police, un gouvernement. Nous ne sommes pas police, un tortionnaire. Nous ne sommes pas police, quel que soit le gouvernement lié. Nous sommes policiers. Nous sommes policiers pour la police nationale d'Haïti, c'est-à-dire nous là pour c'est des agents de l'ordre là pour pays. Pas oublier que Baroua avec toute l'autre couche prestigieuse qui a prononcé eux, ils ont prononcé eux sous article 134.2. Nous-mêmes tout, nous pas faire nous trois longs. Nous-mêmes tout qui avons section juridique dans l'espionnage, nous d'accord à toute bataille que le peuple a menée. Et s'il vous plaît, policiers. Pas mater population qui a fait souffler en bas maltraité ou maltraité. Et nous disons tous les policiers, prenons la constitution, nous, à la convention, ou qui ça le dit, et puis pour nous agir. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nos campés, à édition information ça, c'était Zami Frère Météfo qui t'a observé, nous casser rendez-vous demain, même la même chaîne, non. Si papa, bon Dieu.